de Dieu, nous allons imposer et son épouse. Donc c'est lui sur qui nous allons poser les mains afin de le consacrer comme serviteur de cette église, comme berger de cette église. À partir d'aujourd'hui, tout un chacun de nous qui le voit comme un berger de cette église, qui a été choisi par Dieu à cause de lui pour faire le travail dans cette église, pour exercer le ministère au sein de cette église. Donc il y a des recommandations dans la Bible que le frère Kisha doit accomplir. Ces recommandations, nous allons les lire dans 1 Pierre. Chapitre 5, versets 1 à 4. Nasoma Petro wa kwanza. Sura tano vesi ya kwanza. Sura tano kwanza mstari wa kwanza pale mpaka 4. Tekeleza sana andiko hilo. Tunasoma kwa utukufu wa jina la Bwana. Amen. Na wasi wazee walio kwenu. Mimi niliye mzee mwenzie wao na shahidi wa mateso ya Kristo, na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Litungeni kundi la Mungu. Litungeni kundi la Mungu. Lililo kweli. Na kulisimamia. Si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo. Si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kama wajifanyayo mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Mnena kumalizia. Na mchungaji mkuu atakapozihirishwa, mtaipokea taja utukufu ile isiyoharibika. Amen. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Passez le propos de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. 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 L'ancien ou le berger de l'église doit accomplir ces recommandations de la Bible et le pratiquer, parce que c'est son ministère. S'il ne parviendra pas à accomplir ces recommandations, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas mérité d'être serviteur. Et s'il les accomplit et les pratique, donc la Bible dit qu'il y a une récompense qui est préparée pour lui, qui est une couronne, pour une couronne incorruptible de la gloire de Dieu. Donc la couronne de gloire, c'est pour le berger de l'église,
qui veille mieux sur le troupeau de Dieu. Bien-aimé, frère Kishakisambo, je te prie d'accomplir ces recommandations pour recevoir un jour la couronne de gloire. Donc, garder l'église de Dieu, ce n'est pas une contrainte. Ne te mets pas comme Seigneur dans l'église. Nous avons un seul qui est Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es le serviteur qui était mis à part pour conduire ce brebis. Pour travailler pour ce brebis. Donc, on les gardait et les paître. Et les aimer. Et que ça ne fasse pas donc une contrainte, pour que ce soit volonté. Donc il y a une question que nous allons te poser. Est-ce que acceptes-tu d'accomplir ce qui a été dit à cause de toi? Si tu acceptes que tu vas les accomplir, accepte de dire oui et que l'Église puisse être témoin. Il dit oui par la force du Saint-Esprit. Amen. Il dit qu'il va accomplir ses recommandations de la Bible. Donc je sais que sera un grand de offrande. Ce sera une aide pour cette église. Pas seulement cette église. Il sera donc berger de toutes les églises de Christ. Donc tout berger n'est pas seulement berger de l'église là où il est. Donc il est berger de partout les bâtons. Il peut quitter Orus, aller ailleurs. Il est toujours berger. Donc nous devons connaître cela. Nous devons connaître cela. Donc avant d'aller à son épouse, nous allons imposer les mains comme la Bible nous le commande. Il va se genouiller. Ambaye wewe mwenyewe ulimchagua kwa ajili ya kuwa mchungaji ili afanye huduma zako Bwana Yesu Kristo. Bwana, kwa siku ya leo kama jinsi ulivyoahidi wewe mwenyewe ya kwamba tuweke wachungaji na tuwawekee mikono Bwana na karama za Roho Mtakatifu zingie ndani yao. Ninaomba siku ya leo Bwana, ninamwekea mikono kama vile kumpaka mafuta ambao ni ya Roho Mtakatifu ndani mwake. Hata sasa Roho wako Mtakatifu amwingie na kumvuvia na kumtia nguvu za kuitenda kazi yako. Maana hawezi kuweza peke yake, lakini ataweza yote kupitia wewe umtiaye nguvu. Bwana uliye juu, Bwana nimeweka wakfu mbele zako, lakini aliyemchagua ni wewe Bwana. Tangu siku ya leo ninaamini ya kwamba nguvu zako zinaingia ndani mwake na kuwa mchungaji mchaguliwa wako Bwana. Hata mbele kazi yako kwa nguvu na uwezo wako umtumikishe Bwana na umjaze karama zote za Roho ili atende kazi yako kwa uwezo wako Bwana na kwa mamlaka yako. Ninashukuru Bwana kwa sababu ulipendezwa siku ya leo iwe siku kama hii, iwe hivi jinsi ilivyo Bwana, ili mchungaji wako apate kutiwa sasa wakfu mbele zako Bwana. Acha Roho yako Mtakatifu atende kazi ndani yake, umchunge na kumlinda. Uliwaambia watumishi wako, wanafunzi wako, ya kwamba unawaombea kwa baba yako ili wachungwe na hatari ya dunia hii na wachungwe na hatari ya yule mwovu. Bwana, tazama katika kazi kuna kuwa na hatari nyingi. Ninaomba Bwana umchunge na hatari ya dunia hii na umchunge na hatari ya yule mwovu. Mwovu asimuone, afichwe na damu yako, afichwe na utukufu wako, azungukwe na nuru yako, na Roho wako Mtakatifu atende kazi ndani yake. Asante Bwana uliye juu. Ninashukuru Bwana kwa sababu namfahamu mtumishi wako. Ulimjua tangu tumboni mama yake.
asante. Ninashukuru nimemweka wakfu kitu kisambo mbele zako kwa ajili ya huduma ya uchungaji Bwana. Aifanye kwa uaminifu na kwa nguvu zako na kwa kuongozwa na wewe. Amen. Amen.